Bien le bonsoir tout le monde, ici Azarad, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour le premier épisode. Le premier épisode où nous allons construire notre ville rien qu'à nous, rien qu'à nous. Et on va essayer de faire un beau truc, franchement, une belle ville, des belles routes. Regardez, il y a déjà plein de trucs dans le workshop, le jeu est sorti aujourd'hui, parce que là je suis en train de tourner juste après la vidéo de présentation, parce que tout simplement j'ai trop envie de commencer quoi. Et là, je regarde, il y a déjà plein de trucs dans le workshop. Des modèles de route, un mode pour pouvoir déverrouiller toutes les parcelles de terre. Donc en gros, c'est la ville prend toute la map. Normalement, on peut en déverrouiller que 9. Hein, mais là, là, franchement, c'est le mode de la liberté. Il y a plein de trucs comme ça. Bon, on va pas s'intéresser au mode. On va commencer une nouvelle partie tranquillement, en mode vanilla. Sans map modée ni rien, les maps de base. Hein. Donc on va déjà choisir une map. Bon alors, il y a les ressources naturelles, hein. La quantité de ressources sur la carte, il y a la quantité d'eau. Les connexions sortantes, lieu adapté à la construction, 63%. Donc 63% du terrain est constructible. Voilà, donc il y a côte de diamant. Lagune, il y a pas mal d'arbres, ça peut être sympa. Pour pouvoir faire de l'industrie, mais l'industrie forestière ou agricole, c'est moins polluant que l'industrie de base. Ça peut être sympa à faire. Les îles, bois noir. La musique s'est arrêtée d'un coup. Non, c'est bon, ça reprend. Plaine verte, ouais, je sais pas, j'ai... Il y a du minerai aussi, du charbon, tout ça. Du pétrole, il y en a un peu, pas des masses. On va tenter, allez, on va tenter lagune. Allez, c'est parti pour lagune. On démarre, tranquillou pépère. Nommez les choses. Renommez un habitant, un bâtiment, une entreprise, ou presque tout ce que vous souhaitez. Ouais. C'est ça aussi qui est bien. Bon, comme dans SimCity aussi. Bon, je vais parler souvent de SimCity parce que c'est le principal outil de comparaison que j'ai. On peut tout renommer, suivre les citoyens. Chaque citoyen a sa propre vie. Il habite dans telle maison. Il va travailler à tel bâtiment. Donc ça peut être sympa, quoi. Ça peut être très très sympa. On peut vraiment voir ce que font nos habitants, en fait. Et là, le chargement a énormément de mal. Je sais pas pourquoi. D'habitude, c'est quasiment instantané. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Je sais pas. Bon, au pire, je couperai un peu ça au montage. C'est pas très très grave. Allez, allez, coco. Pas que ça va faire. Bon, je me retrouve juste après, hein, parce que à mon avis, ça a l'air d'être un peu long. Re tout le monde. Donc en fait, j'ai éteint Fraps et ça a chargé instantanément. Donc apparemment, c'était Fraps qui faisait tout merdouiller. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici? On va déjà mettre pause. Voilà. Bonjour. Bonjour, oui, t'inquiète pas. J'ai un peu appris à jouer. Ah bah justement, c'est cette map-là que j'avais fait en off. Vite fait pour m'entraîner. Donc, bon, c'est très bien. Donc, ouais, on a un super point d'eau ici. Avec un courant qui va en sortant. Donc, c'est sympa. On peut déverser toute notre merde ici. Ça posera pas de problème. Normalement, il y a des plages là-bas, beaucoup de forêts au sud. Alors moi, ce que j'avais fait tout à l'heure, c'est que je m'étais tourné vers le nord, mais là, ça peut être sympa d'aller vers le sud plutôt. Car là, on aura accès à la route, il y aura des plages, tout ça, ça peut être sympa. Bon, bref. Alors tout d'abord, il faut relier à la route vers le monde extérieur, tout simplement. Alors par contre, comment est-ce que je vais faire le début de ma ville? Je suis en train de réfléchir. Est-ce que je fais un truc classique en quadrillage, là, en mode tout pourri? Ou est-ce que j'essaie de faire un truc plutôt potable? Alors, j'ai accès à quoi déjà? Je n'ai accès à rien du tout. Même pas un rond-point. Ouais, ça fait chier ça. J'aime bien les ronds-points. Hein. C'est pas grave. Hop, il y a des petites graduations là, ça peut aider. Hop. Je vais tenter un truc. Hop. Voilà. J'aurais peut-être dû mettre une route un peu plus large.
J'ai pas... Ah si, j'ai une... C'est quoi ça? C'est une 4 voies... Ouais, je vais mettre une 4 voies. Alors, faut pas croire, hein, mais... tout ce qui est route... Ouais, ouais, nickel comme ça. Tout ce qui est route, trafic, etc., c'est extrêmement important dans ce jeu. Les embouteillages peuvent vous gêner, mais d'une force. Ah bah ça y est, je peux mettre un rond-point. Fallait juste... d'accord. Ok, apparemment, fallait juste... ouais, bon, ouais. Bon, c'est des petits ronds-points, j'ai pas encore accès aux gros ronds-points, malheureusement. Je vais le mettre plus loin, je vais le mettre là. Attends, je vais déjà prolonger ma 4 voies. Pas trop, parce que ça coûte assez cher, les routes, hein, mine de rien. Donc, je vais poser mon rond-point ici. Tac, c'est parfait. Alors, les premières choses qu'on réclame, forcément, ce sont les zones résidentielles. Voilà. Hop, on va en placer plein le rond-point. J'en mets tout le long. Voilà, j'en mets tout le long, je vais pas me casser le cul. Alors, on a de la forêt là-bas. J'aimerais bien avoir que de l'industrie non polluante, en fait, mais je sais pas si c'est possible. C'est ça le gros souci. Je vais déjà m'occuper de l'eau, très important, et de l'évacuation des eaux. Donc, l'eau ici, évacuation, je peux la mettre juste en dessous, c'est pas un souci. Tant que c'est en dessous, c'est bon. Ici, par exemple. Donc, on peut voir qu'avec le petit icône en forme de casque, ça génère de la pollution sonore, mais c'est pas très très grave. Hein. C'est pas... comme je suis loin de toute habitation. Hop, on raccorde les deux. On emmène le Toyo là-bas. On va le faire descendre tout le long. Voilà, déjà tout ça c'est alimenté en flotte, mais il me faut de l'électricité. Rien que pour faire marcher les pompes, etc. Avec de l'électricité ça marchera mieux. Donc centrale à charbon. Non, je préfère commencer avec des éoliennes toujours. Surtout que là il y a des... il y a beaucoup de vent. On peut voir sur la carte qu'il y a beaucoup, beaucoup de vent, donc les éoliennes, pour l'instant, c'est nickel. Après, bien sûr, il va falloir changer. Il va falloir trouver une autre méthode d'alimentation, mais pour l'instant, c'est tout à fait correct. Alors, hop, on va faire comme ça. Tac, voilà. Déjà là, c'est bon. Alimenter en électricité, en eau, évacuation des eaux, il y a déjà tout ce qu'il faut. Par contre, ils vont me demander des industries très vite. Alors, je vais essayer d'aller... Ah, j'ai pas encore la spécialisation. Je viens d'y penser. Je n'ai pas encore la spécialisation. Du coup, je l'ai dans le cucu. Route en forme libre. Je vais essayer ça. Quoi? C'est pas forme libre, ça, aussi. Ah, c'est ça que t'appelles forme libre? Ah non. Ouais, ça peut être sympa si je fais un truc comme ça. Attends, un truc comme ça. Tac. Non, 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 c'est pas ça que je voulais faire. Mince. Crotte de bic. Crotte de bic. Tac. Voilà. Ah, c'est beau. Ok, là par contre il y a le pylône électrique qui va me... Non? Si. Ah, il va être détruit, mais c'est pas très très grave. C'est pas la mort. Bon. On va faire une espèce de cercle. On va faire une espèce de cercle. Mais non. Oh, mais à chaque fois je me fais avoir. Pourquoi il fait... C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. 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 Bon, je suis sûr que ça ressemble plus à une grosse patate qu'à un cercle. On dirait une pomme. Je sais pas vous, mais moi je dis on dirait une pomme. Bon, on va dire que... Voilà, hein. On va dire que bon. Hein. Par contre, on va juste... Non, on va juste rallier ça comme ça. Voilà, histoire qu'ils puissent communiquer directement ici. Ça soulagera un peu la circulation au milieu. Donc ça, c'est bon. On va mettre un peu de zone commerciale.
bien entendu. Hop. De chaque côté. Hop. Donc tout ça, c'est de la faible densité, hein, bien sûr. Pour l'instant, du moins, c'est les seules zones que j'ai au départ. Voilà. J'aurais bien foutu du... Ouais, non. Non, j'ai rien dit. Bon, on va remettre encore du résidentiel ici. Sur tout le reste, en fait. Hein, sur tout le reste, on va taper du résidentiel. Boum ! Qu'est-ce qu'il y a ? Et on va foutre de l'industrie. Ouais. Le problème, c'est que l'industrie, ça occupe une grande majorité du trafic routier. Donc, ça risque d'être très, très compliqué. Comment je vais faire pour le... On va déjà faire ça. Parce qu'après, je vais oublier, et puis voilà, je vais l'avoir dans... Il me reste 28 000. Bon, bah, pour l'instant, ça se passe bien. On n'a pas encore démarré le jeu. Mais il me reste encore 25 000. Ouais. Bon, ça devra aller, ça devra aller. Ok, donc ça, c'est bon. L'électricité, c'est bon. De toute façon, il partira de là où il y a du courant. Donc après, c'est les maisons qui font la conductivité. Donc tout ira bien. Évacuation, tout, électricité, ça, c'est fait. Donc, maintenant, il faut que je trouve un moyen de caser de l'industrie quelque part. Je me demande si je vais pas foutre ça en haut. À ce moment-là, il va falloir que je fasse une route. Ça va être très, très galère, ça. Ouais. Je réfléchis, en fait. Parce que ça pue l'embouteillage, quoi. Alors, j'ai déjà des 6 voies. Mais je vais pas coller une 6 voies ici, quoi. Ça va faire... à moins que je fasse ça. On va tenter un truc. Hop. Donc là, une 6 voies. Ensuite... Ah, ça coûte cher les routes, hein, putain. Ensuite, on va les raccorder avec des 4 voies. Comme ça. Ça ressemble à rien ce que je fais, je suis au courant, mais bon, c'est une question de trafic, hein. C'est voilà, c'est pour répartir le trafic. Ok, par contre, voilà, je vais prendre une route qui va partir... Quoique, en fait, l'industrie, je vais... Ah, j'en sais rien. L'industrie, je vais la foutre là. Hein. L'industrie, je vais la foutre là, puis c'est tout. Hein. Je vais pas me casser les bonbons. Hein. Hop. Je vais la caser tout au-dessus. Tout ça, ça va être de l'industrie, voilà. Et pour le résidentiel et commercial, je vais prendre tout ce secteur-là. Après, je prendrai peut-être une route pour faire de l'industrie forestière ou ce genre de truc. Mais de toute façon, après, je vais m'étendre en bas, très très vite. Donc, c'est pas grave si cette place-là est prise. C'est pas très très grave, on va juste gérer la flotte. Donc là, c'est le début, hein. C'est le début de Let's Play. Ça peut être très long, très chiant. C'est là où on commence à poser les fondations de la ville, hein, de toute façon. Ça ressemble... ouais, je sais pas à quoi ça ressemble ce truc, là, ce que j'ai fait, mais... Bon, bref. On va poser les zones. Ah, donc, zone industrielle, forcément. Hop, on va juste les mettre là. On va pas en mettre... là, juste des commerciales pour... voilà, pour séparer, en fait. Juste pour séparer. Et là, je vais remettre de l'industriel. Histoire de pas de faire une séparation entre l'industriel et le résidentiel. Voilà. Bon. Je pense qu'on va pouvoir y aller. Allez, c'est parti. Hourra, la station de pompage d'eau a été construite. Alors, on va tout de suite voir niveau énergie. Ça va, je suis dans le vert. Tout se passe bien pour l'instant. En même temps, il n'y a aucun bâtiment de construit, mais... traitement des eaux usées.
Normalement, il est censé marcher, c'est juste que il n'y a pas encore d'eau usée à traiter en fait, je pense. Production des eaux usées, voilà, il y a 0 mètre cube par semaine, donc ça sert à rien de. Enfin, j'espère. Oui, voilà, c'est bon, ça marche. Une petite frayeur là. Allez, ça se développe tranquillement. Les premières habitations se construisent. C'est mignon tout plein, les petites baraques, là, tranquillou. Donc là, c'est juste en train de construire. Les habitants arrivent après. Normalement, on devrait pas tarder à en voir arriver. Les premiers habitants, c'est quand vous voulez. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Info. Ah oui, ça, c'est toutes les cartes. Carte du bonheur. Carte du vent. D'accord. Donc ça construit, ça construit. Il n'y a toujours personne hein, pour l'instant. C'est une ville fantôme. Les premiers habitants devraient arriver. Normalement. Normalement. Ah merde, j'ai pas relié là. Ah bah non, c'est relié ici, je suis con. J'ai cru que c'était une route dans le vide. Je suis fatigué, excusez-moi. Ah, je crois que ça y est. Non, ça y est pas. Bon, mais je vais accélérer un peu parce que. Allez les gars là. Personne d'arrivée encore. C'est quoi cette musique là? Ah, je suis en faillite! Bah oui, y a personne qui arrive depuis tout à l'heure. What? Ah d'accord, je suis en pleine faillite. Ok. C'est pour ça qu'il y a petite musique stressante qui démarre, mais il n'y a aucun habitant qui vient là. C'est quoi ce délire? Pourquoi ils viennent pas? Forcément que je suis en faillite, y a personne. Pourtant c'est bon, enfin. Y a personne qui rentre. Alors, les maisons se construisent. Est-ce que je peux faire un prêt? Je peux pas faire de prêt. Personne ne vient. Je crois que j'ai un bug, mesdames et messieurs. Je crois que j'ai un bug. Les gens ne viennent pas. Pourquoi? Ah si, ça y est. Allez, maniez-vous, là, je suis à moins 3000. Allez, maniez-vous. Installez-vous, dépêchez. Putain, que deux voitures qui soient arrivées, quoi. Être pas sérieux. Puis ils font quoi? Ils emménagent, là? Ils font quoi? Ils emménagent, ok. C'est bon, les dettes commencent à baisser. Oh là 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 là. Allez, allez, allez. Voilà, ça rentre, ça y est. Oh, les v'là, putain, ils m'ont fait flipper, les cons. Oh, ils m'ont fait flipper. C'est bon, regardez-les, ils emménagent tranquillou. Il y a même un mec avec son scooter, là, au calme. Ah, Sophie Morgan, ok. Résidence érable, travail à boutique du quartier, d'accord. Voilà, il y a tout ce petit monde qui débarque, nickel, c'est parfait. C'est parfait. Oh là là, oui, ça y est. Viens aider dans ma belle ville. Regardez, regardez comme on est bien, regardez tout ce qu'on peut faire. Ok, ça s'installe tranquillement. Je vais pouvoir accélérer le temps. Hop, voilà. Ah bah ça rentre. C'est parfait. Les industries pareilles, ça commence à construire. Le chat en lévitation, c'est le nouveau sujet tendance sur Internet. Les chats en lévitation, d'accord.
Des fois, il dit un peu de la merde, le petit piou-piou, là. Ok, bah c'est bon, ça. Puis, il y a de l'importation de matières premières pour les usines, donc c'est parfait. Ça se met en place tranquillement. De toute façon, bientôt, je vais pouvoir acheter une parcelle de terre. Par contre, je n'ai aucune idée de combien de temps ça fait que je tourne. Ne quittez pas, je reviens tout de suite. Ok, donc en gros, allez, encore 10 petites minutes et puis ce sera bon. Ça sera la fin de la vidéo. On va pas faire trop long non plus parce que j'ai pas une connexion de la NASA. Faut pas abuser. L'upload, il va faire mal. Ah, ça construit sans le rond-point. Oh là là. Bien, bien, bien. Là, de toute façon, là, tout ce qu'on peut faire, c'est observer le développement de la ville. Me dis pas qu'il y a déjà des problèmes d'électricité, sinon je pète un plomb. Eh ben si. Il y a déjà des soucis de courant. Putain. Oh, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je rêve. Ah, je produis pas assez d'électricité, voilà. Allez. Je peux faire un prêt, je vais faire un prêt direct. Direct, je fais un prêt. J'ai rien à foutre. La banque, vite, hop. Prêt. Allez, hop, un prêt à 20 000, comme ça je vais faire toutes mes installations de courant. Électricité. Je vais carrément faire une centrale à charbon. Hein. On se fait pas chier. Hop. Ok. Peut-être une autre éolienne, juste histoire d'arrondir, hein. Voilà. Il me reste 9000, ces 9000, je vais les garder, au cas où j'ai encore un pépin. Normalement, en eau, ça sera largement suffisant, j'aurai pas de soucis. C'est juste l'électricité qui est très chiant, en fait. On arrive vite au bout. Alors, ouais, bah, ça prend vie. Les voitures sont garées. Ils partent, ils reviennent, ils vont aux boutiques, ils vont bosser, voilà, c'est parfait. Les bonnes grosses usines bien dégueulasses. Ah oui, d'ailleurs, au fait, je peux pas encore. Mais dès que je peux, dès que j'ai 900 de population, je fais le coin qui pue. Et je suis redescendu dans le rouge, ça remonte. Ok, ça va. Les Illuminati recrutent aujourd'hui de nouveaux membres. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Faire comme si on n'avait rien vu. Là, ça commence à construire en périphérie. Donc là, qu'est-ce que c'est? D'accord, c'est du commercial. Il y a du résidentiel au milieu. Ok. Va falloir attendre. Ah non, il y a quand même une forte demande résidentielle. Hein. Donc. Ça va commencer à construire ici, je pense. Hein. Je vais voir pour faire des petites routes. Alors, comment je pourrais faire? Si je fais ça. Comme ça. Faire plus là. Ouais, bon, j'aurais essayé, ça va être catastrophique. Bon, je tente la chose quand même. Ok. Non, là c'est moche par contre. Ah, ça y est, j'ai atteint 900, je vais pouvoir faire le coin qui pue, et après je pense qu'on va se séparer ici. Je fais juste ma poire dégueulasse qui ressemble à rien. Non, je vais partir du haut plutôt, parce que j'étais parti du haut tout à l'heure. Ah, putain de merde, qu'est-ce que j'ai fait? Non. Non, non et non. Pas d'accord. Pas d'accord du tout. Ok, on reprend...
Voilà, c'est à peu près bon, c'est dégueulasse. Mais bon, on va dire que c'est symétrique, hein. On va pas chipoter. Hop là, résidentiel. Merde, les poubelles. Vite, les poubelles. Décharge. Décharge, j'en faire deux, comme ça on sera peinard. Voilà. Deux décharges. Allez, les camions de poubelle, c'est parti, on y va. Prenez votre temps surtout. Allez, voilà. Encore un blackout, je ne peux même pas envoyer un mail ou appeler quelqu'un sans électricité. Quoi? Ben non, il est... Ah merde, oui, c'est vrai. C'est pour ça que ça marche pas, c'est pas relié à l'électricité, je suis trop con. Voilà. Voilà, c'est bon, nickel. Nickel, nickel, nickel. Je vais faire ça. Voilà, nouveau service, tout ça. Bon, bah ça, on verra ça plus tard. Je vais juste finir en beauté avec... Avec ça. Ok, ok, c'est bon. Hop, 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 voilà. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Mais non, c'est pas ça. Oh là là, quel con. Voilà. 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 Le coin qui pue. Parfait. Voilà notre coin qui pue. Donc, bah c'est tout, on va se séparer ici, hein. Là ça se développe tranquillement, on va pas tenter le diable. Appliquer les politiques à une ville ou un quartier. Si je sais, ah voilà, je peux appliquer une politique à ce quartier, donc ça c'est bien. Distribution de détecteurs de fumée, ça peut être sympa pour prévenir les incendies, réduit drastiquement les risques d'incendie. Dans une zone industrielle ça peut être très sympa, donc, mais j'ai pas assez, je peux pas me le permettre. Mon revenu hebdomadaire n'est pas assez élevé. Mais vous voyez, quand même, on peut faire quand même des trucs vachement cool pour pouvoir gérer sa ville. Bon, c'est tout. On va s'arrêter là parce que, voilà, faut pas abuser des bonnes choses. Et que ma connexion va fumer si on fait une vidéo plus longue. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos suggestions ou vos idées. Hein, si vous avez des idées de route ou de construction particulière ou de quartier, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je les lirai avec joie et j'essaierai de les reproduire, pourquoi pas, ça peut être sympa. Et dites-moi si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, dites-moi, parce que je n'ai pas encore eu vos premiers avis par rapport à la première vidéo, vu que là je l'ai tourné directement, parce que j'étais trop impatient. En tout cas voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mettez un petit pouce bleu si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait. Comme d'habitude, et en attendant, je vous dis à tous bonne soirée, bonne journée, et à la prochaine. C'est Azarath pour Gaming for Fun. Ciao tout le monde.